On est ici dans une visite des ambassadeurs de l'Union européenne, des États membres de l'Union européenne accrédités au Maroc et ses représentants. Alors nous sommes venus à Agadir, nous sommes venus dans la région de Soumassa en groupe pour bien mettre en valeur l'importance d'Agadir, de la grande ville d'Agadir et de la région dans les partenariats entre l'Union européenne et le Maroc. Il s'agit pour nous de bien montrer les réalisations que ces partenariats ont apportées et à la fois, évidemment, donc des réalisations que ce soit dans le domaine de l'agriculture, que ce soit dans le domaine halieutique, que ce soit les investissements européens et dans les secteurs du tourisme ou dans cet autre secteur, que ce soit aussi cette coopération pour la jeunesse, cette coopération aussi d'accompagner les efforts du Maroc dans la protection sociale, d'accompagner les efforts du Maroc dans l'éducation, dans tous ces chantiers royaux où il y a une vision et nous venons accompagner. Donc, nous sommes venus aussi alors à Agadir aussi pour apprendre, pour écouter, pour mieux comprendre les réalités, les défis et les ambitions des autorités et aussi de la société civile sur l'avenir d'Agadir. Nous venons d'avoir une rencontre avec le conseil communal très intéressant, dont nous avons écouté beaucoup d'ambitions en matière environnementale, donc les grands dossiers, les grands chantiers d'avenir, l'environnemental fondamentalement, mais aussi l'inclusion, la jeunesse et l'éducation, donc avec beaucoup de projets en cours. Donc notre objectif, c'est donc d'écouter et aussi de voir comment nous pouvons, à travers cette visite aussi, continuer à renforcer le partenariat entre l'Union européenne et le Maroc dans les concrets, à travers des réalisations concrètes sur le terrain, comme ici à Agadir, dans la région de Soumassa. الزيارات اللي تيقوموا بها واحد مجموعة من السفراء لسوسمسا وجاو باش يطلعوا بأم أعينهم على التطور اللي كتعرفوا مدينة أكادير في إطار الاستراتيجية الكبرى التي أراد لها صاحب الجلالة في إطار تنزيل ديال مخطط التهيئة الحضري وفي إطار مخطط عمل الجماعة اللي تيشرف عليه المجلس الجماعي لأكادير برئاسة السيد عزيز أخنوش. دونك السادة السفراء انبهروا بالعمل اللي كيتقام، انبهروا بمخطط عمل الجماعه اللي كيعطي افاق كبيره لهذه المدينه هذه واللي غيمكنها انها تبوأ المكان التي اراد لها صاحب الجلاله وهي عاصمه وسط المملكه. شكرا. Et je dois dire que je suis très très heureuse d'être aujourd'hui à Agadir. Je tiens très spécialement à remercier la commune d'Agadir, le président de la commune et le vice-président qui nous ont accueillis d'une façon extrêmement chaleureuse et nous ont préparé un programme très très intéressant. Il est vrai que l'Union européenne coopère beaucoup avec le Maroc. Nous avons bien sûr des programmes de coopération avec la ville d'Agadir. Je pense que notre ambassadeur de l'Union européenne tout à l'heure a beaucoup élaboré les programmes que nous faisons ensemble. Pour ma part, je voudrais souligner que je suis éblouie avec Agadir par rapport à la façon dont la ville a été reconstruite d'une façon magnifique. Je parle comme quelqu'un qui vient d'un pays en connaisseur de cause. Nous avons eu un tremblement de terre il y a 3 ans à Zagreb et c'est très très difficile, ce n'est pas évident de reconstruire une ville. Bon, le tremblement de terre d'Agadir est maintenant derrière nous, ça fait déjà très longtemps, mais je peux constater que la ville a été reconstruite d'une façon très efficace, très belle aussi du point de vue architectural. Et nous avons visité tout à l'heure le conseil et je dois dire que les efforts qui ont été mis pour préserver l'architecture de l'après le séisme, la reconstruction, sont vraiment exceptionnels et je salue tous les efforts de la commune et de la ville de Agadir pour cette belle ville et je vous remercie énormément.
Et encore une fois, je dois dire qu'en tant que doyenne ici des ambassadeurs, je suis émerveillée par la façon dont le Maroc en général, pas seulement Agadir, est géré, bien sûr sous le haut patronat de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Et c'est un pays qui a une infrastructure exceptionnellement efficace, un pays avec une industrie très moderne, des ports qui sont extrêmement efficaces et ouverts au monde entier. Et je pense que c'est un pays qui est vraiment le leader de l'Afrique. Et je salue encore une fois toute cette évolution et les progrès qui se font de jour en jour au Maroc. Merci. اذا هادو واحد المجموعه ديال السفراء ديال الاتحاد الاوروبي اللي درنا معاهم واحد الجلسه ديال العمل اللي من خلالها اولا تعرفوا عن قرب على المجلس ديال جامعه اكادير ويعني الاوراش اللي يعني كيشتغل عليها خصوصا كما كتعرفوا البرنامج ديال التنميه الحضاريه اللي كانت توقع قدام صاحب الجلاله واللي اعطينا عليه واحد العدد ديال يعني المعطيات وصلناها لهم وكذلك البرنامج عمل ديال الجامعه الباك. اذا هادو هما جوج ديال البرامج اللي ناقشنا مع هاد السفاره ديال الاتحاد الاوروبي واعطيناهم واحد النبذه على مدينه اكادير بعد الزلزال وكذلك واحد المجموعه ديال يعني التوجهات الاستراتيجيه في المدينه خصوصا فيما يتعلق بالنقل والتنقلات الحضاريه من اجل تشجيع يعني وسائل النقل يعني اللي كتحترم البيئه. هذا هو الاساس واننا نشجعوا الساكنه ديال مدينه اكادير على اساس انها تخلى على يعني العربات اللي يمكن انها تلوث المدينه ونشجعوا ما امكن كما كيقولوا لي مودو دو ترونسبور اللي كيتعلق الدراجات والماشي الى غير ذلك لان هذه النقطه كذلك كانت طرحت من طرف احدى السفيرات اللي هي ممثله دوله هولندا اللي طرحت هذه المساله ديال انه واش كاين تشجيع ديال الساكنه ديال اكادير انها كما هو في هولندا انهم يحاولوا يستعملوا يعني الدراجات العاديه وذلك للمحافظه على البيئه. كذلك يعني من خلال هذا اللقاء كذلك تم التعريف بالمنطقه اللي كاينه في المدينه في جنبات ديال الملعب والمشاريع اللي كدار فيها المشاريع الاستثماريه وكنأكدوا على ان المدينه ديال اكادير اصبحت الان يعني واحد جذابه من حيث الاستثمار وكذلك من حيث السواح وهذا هو الهدف المتوخى من هنا لسنة 2027 ملي غادي اولا يكمل البرنامج ديال التنميه الحضاريه اللي خصو ينتهي اواخر سنه 2024 وكذلك البرنامج عمل الجماعه اللي المجلس المسير التزم به امام الساكنه واللي يعني المدى ديالو هو 2027.